Quelques supporters de Toulon-Saint-Cyr va rendre balle ont mis de l'ambiance sur les quais de la gare de Toulon en attendant le retour de leur championne. Même le maire Hubert Falco était là pour féliciter et remercier les sportives. C'est à Bercy, devant 9000 spectateurs, que les filles de Thierry Vincent ont remporté la Coupe de France face à Nîmes. Un titre gagné après un match tendu et une saison éprouvante. Une belle victoire, beaucoup de joie, de difficultés. Mais voilà, aujourd'hui on revient avec ce trophée et il faut en profiter. Voilà, c'est un trophée par an, pour l'instant c'est pas trop mal. Franchement impressionnant de jouer dans un gymnase aussi grand. Moi, pour moi c'est la première fois que je joue à Bercy. Pour la plupart des filles aussi c'était pareil. Donc, en plus il était quasiment plein, il peut accueillir 14 000 personnes, donc c'est déjà impressionnant. Et en plus une finale avec un titre à la clé. Il fallait qu'on gagne absolument ce titre et ça nous a fait du bien pour finir la saison en beauté. Ouais, c'était vraiment magnifique dans une grande salle avec une bonne ambiance. C'était vraiment super quoi. Ils ont réalisé un match énorme et voilà quoi. C'était... On espère retourner bientôt l'année prochaine pour une autre finale. On a fait le maximum, on a mis l'ambiance qu'on pouvait et c'était super beau, une belle expérience, un match tendu mais au final voilà, une super belle victoire, une belle équipe et ça nous donne envie de continuer à les suivre du coup. Et voilà, un match très serré du début jusqu'à la fin, elles n'ont rien lâché. Ça a été un beau match, un beau souvenir. C'est une belle équipe. Un beau souvenir, une belle ambiance. Allez, 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 allez.